Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est Pâques, certaines familles le fêtent, certaines ne le fêtent pas. Néanmoins, je vous ai choisi un livre sur l'œuf, le bel œuf, écrit par Marie Wapps. Vous pouvez commencer par compter en mettant pause combien il y a d'œufs sur la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On vérifie en repartant de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bravo si vous avez trouvé 18. Le bel œuf. Dans le nid de paille que la fermière a préparé, la poule vient pondre chaque matin un bel œuf. Tous les jours, elle revient pondre dans le même nid. Personne ne touche à ses œufs. La poule rousse qui a pondu 12 œufs se prépare à les couver. Elle s'installe sur les œufs qui sont bien au chaud sous ses plumes. Rien ne peut la distraire, c'est à peine si elle se lève pour aller boire et manger. Après 21 jours, le premier œuf est clos. Un poussin, tout mouillé, en sort. Il s'étire. Se secoue, les autres poussins sortent aussi de leur œuf, brisant la coquille avec leur bec. Les poussins pépient, à qui mieux mieux, la poule glousse. Toute contente, elle gratte le sol, attrape des insectes, et montre à ses petits comment il faut faire pour se nourrir. Combien y a-t-il de poussins? 1, 2, 3, 4, 5, 6 poussins. Les poussins grandissent vite. Ils s'activent toute la journée, grattant par-ci, picorant par-là de petites graines. Des vers dodus, des moucherons croquants, des plumes remplacent peu à peu le duvet qui les couvre. À 6 mois, les poussins femelles qui sont devenues des poulettes pondent un premier petit œuf, puis d'autres de taille normale, un chaque jour. Les œufs frais sont ramassés par la fermière. Elle les dépose dans un panier, puis les range par 6 dans des cartons pour les vendre au marché. Les œufs de ferme sont très recherchés par les gourmands. Ils ont un goût délicieux, on les cuit simplement à la coque. 3 minutes et demie, les petits enfants aiment tremper des mouillettes dans le jaune de leur œuf. Moi, j'aime bien les laisser juste 3 minutes. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des mouillettes. Et en anglais, on dit même des petits soldats. Si on laisse cuire les œufs un peu plus longtemps, ils deviennent durs. Parfait pour être emporté en pique-nique. Tout à fait joli pour décorer les plats de hors-d'œuvre, délicieux dans la salade. À Pâques, des œufs durs décorés, mêlés aux œufs en chocolat de toutes les tailles, attendent les enfants dans l'herbe du jardin. On peut aussi pocher les œufs dans l'eau bouillante, puis les servir enrobés dans de la gelée transparente.
L'œuf au plat est là, tout simple, le jaune au milieu du blanc. Parfois, on mélange le jaune et le blanc pour faire des œufs brouillés. Quand on est nombreux, rien de tel qu'une succulente omelette nature ou agrémentée de champignons ou de fines herbes. En Espagne, on y ajoute des pommes de terre pour en faire la tortilla de patatas. Je dois pas avoir le bon accent. Les œufs cocottes sont des œufs cuits au four avec de la crème dans un petit ramequin individuel. C'est ça un ramequin, les enfants. Les petits flans ou les crèmes renversées, la crème caramel sont aussi préparés avec des œufs entiers. Pour certaines préparations, on sépare les blancs des jaunes pour faire de la mayonnaise. C'est le jaune de l'œuf qui est mélangé avec de l'huile en tournant sans arrêter pour former une émulsion onctueuse. Pour réaliser des meringues, il faut battre les blancs en neige très ferme, y ajouter du sucre, faire des petits tas sur une plaque beurrée et faire cuire à four très doux. Et la plupart des pâtisseries contiennent des œufs, la recette du gâteau 4 quarts. Alors, la recette du gâteau 4 quarts, on vous la fera avec Maxence. C'est son gâteau préféré. Et vous verrez, il y a quatre parties: des œufs, de la farine, du sucre et du beurre en quantité égale. Donc, ça, on vous le fera bientôt. Et on obtiendra. Régalez-vous, un bon gâteau. Voilà, et vous avez plein de différents œufs dans des coquetiers. Alors, je souhaite une joyeuse Pâques pour toutes les familles qui fêtent Pâques. Au revoir.